Ben Arfa, oui, c'est un joueur international. Il est rentré à l'heure de jeu. Effectivement, dès qu'il rentre, ça change beaucoup. Ça change les données, effectivement. Je pense que nous, on a plutôt eu demi-temps assez cohérente dans ce qu'on voulait mettre en place. Certes, on a subi. Nice aurait peut-être pu scorer bien avant. Mais effectivement, on a eu une mi-temps un petit peu plus intéressante en première, un peu plus poussive en seconde, mais dans le sens où ce qu'on avait demandé, on est resté cohérent, oui. Bah, toute défaite apporte des regrets, effectivement, quoi, dans le contenu. Bon, après, on peut avoir des motifs de satisfaction, les rentrées de certains joueurs, Rincón, la présence d'Aloïs qu'on fait aussi. Je pense que dans la globalité, les joueurs ont montré un bon visage, surtout que par rapport à la semaine dernière, on avait été un peu catastrophique en première mi-temps. Je pense que là, on a été beaucoup plus cohérent, je le répète. Donc c'est certes, on peut trouver des motifs de satisfaction, même si toute défaite apporte des déceptions. On aurait pu peut-être, si on avait pu tenir, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec la rentrée de Ben Arfa, ça change aussi les choses. On aurait peut-être pu espérer tenir un peu plus longtemps. Voilà, c'est aussi un des motifs de satisfaction encore, où effectivement les garçons ne baissent pas les bras. On a vu aussi quand même des enchaînements, de la cohérence aussi, de la combativité, de la solidarité, parce que là, dans la situation dans laquelle on était, puis venir jouer à Nice aussi, il ne faut pas oublier l'adversité quand même. Ils sont cinquièmes au classement, j'avais envie de dire, ils jouent pas sur le même tableau. Bien que eux, ils avaient aussi à cœur de se reprendre de cette défaite face à Bastia. Donc, non, c'est bien. Je vais pas dire que c'est encourageant non plus parce que malheureusement, on n'est pas aussi bien qu'on espérait l'être. Mais c'est vrai que on peut encore les féliciter parce qu'ils baissent pas les bras, ils montrent un beau visage. Je pense que ça a été cohérent sur le match en lui-même. On a su poser les problèmes aux Niçois. Ce sont trois points importants qui ont été difficiles avec un match compliqué. On s'y attendait parce que c'est une équipe qui est très très joueuse, qui a beaucoup de qualités techniques et on l'a vu en première mi-temps, qui est capable d'être performant, d'être percutant c'est une équipe qui n'a plus rien à perdre et qui se lâche tout simplement. On le voit un petit peu de partout, dans toutes les rencontres, cette équipe a des situations et elle arrive à bousculer n'importe quelle équipe. J'avais déjà vu à Monaco également. Et je trouvais qu'on avait eu une bonne réponse dans un match très compliqué. Avec une première mi-temps où on a quand même fait courir cette équipe, mais qui restait toujours dangereuse, même si quelquefois on a été approximatif dans des derniers gestes ou des derniers passes ou derniers décalages. On avait fait quand même beaucoup courir encore une fois cette équipe. Et puis deuxième mi-temps, on a assisté à une attaque défense où on est bien rentré dans cette deuxième mi-temps. Par rapport au match notamment précédent contre Bastia où on s'était précipité, je trouvais qu'on avait retenu la leçon malgré la difficulté face à cette bonne équipe. On a continué à jouer, à produire notre jeu et puis on est arrivé à nos fins. Je pense qu'on aurait dû ou mérité d'être un peu plus efficace parce qu'on a eu des situations et malheureusement tant qu'on n'a pas ce but, tant qu'on n'a pas fait vraiment le break, ben on est toujours à la portée d'un retour de l'adversaire et notamment avec une équipe qui a beaucoup d'éléments de jeu, de bons joueurs. Donc je pense que c'était un match compliqué, mais très intéressant. En tout cas, je pense avoir retrouvé mon équipe et je ne dis pas ça simplement par rapport à la victoire, mais par rapport au contenu et la gestion. Tout n'a pas été parfait, bien sûr, mais au moins on ne s'est pas dilué et on a continué, malgré la difficulté, à jouer notre jeu et ça c'est le plus important.